Allez, tous les après-midi, nous sommes là pour répondre à vos questions. Vous le savez, sur l'amour, le couple, la famille, les sentiments. Vous pouvez venir sur ce plateau, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, c'est Emmanuel qui est venu nous rendre visite. Bonjour Emmanuel. Bienvenue. Je vous donne le micro. Bonjour Daphné. Alors Emmanuel a une question pour l'équipe. On l'écoute. Tout à fait. Alors voilà, ça fait maintenant 8 ans que je suis en couple avec ma femme. Et notre relation, enfin notre vie sexuelle, pardon, est moins épanouie qu'auparavant. J'aimerais savoir si vous avez éventuellement un conseil à me donner pour redonner un coup de boost à tout ça. Alors, l'équipe, Alexandra. Alors déjà, quand vous dites moins épanouissant, est-ce que vous parlez plutôt en termes de quantité, donc de la fréquence avec laquelle vous avez des relations sexuelles, que vous en profitez moins régulièrement, ou plutôt en termes de qualité? Donc à ce niveau-là, ça s'est un petit peu appauvri. Principalement qualité. D'accord, ok. Donc, au niveau de cette qualité, est-ce que vous avez certaines hypothèses qui pourraient expliquer ça? Alors, ce n'est pas évident, du fait par mon travail, je suis effectivement chef d'orchestre, donc c'est vrai qu'on a une vie complètement décalée, je travaille la nuit et travaille la journée, donc on essaie de se croiser le soir, donc ce n'est pas évident. Et... c'est vraiment un problème de temps, je pense, et de planning. Mais je pense qu'il faut s'accorder un moment, de trouver un moment, de se créer un moment pour pouvoir profiter de cet instant, en tout cas. Alors là, déjà, vous avez donné la clé. Oui. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Non, mais c'est important parce que c'est vrai que vous êtes créateur de vos solutions. Est-ce que vous vous embrassez encore avec la langue? Est-ce que vous vous caressez? Non, je dis ça, vous savez, ça vous fait sourire, mais je dis ça parce qu'en fait, ça fait partie des premiers signes. Oui. Ouais. Vous nous le dites, ça, quelquefois. Oui, exactement. Donc, c'est pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement intime. On peut se faire un petit bisou vite-vite, comme on mangerait vite-vite parce qu'on est pressé, ou on peut savourer un baiser, comme on dégusterait un plat. Et donc, souvent, les premiers signaux sont au niveau du baiser. Donc, ça, c'est présent. Alors, concernant le baiser, vous avez complètement raison. On se fait vraiment vite-vite. Enfin, on fait tout vite, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai que ça me manque. C'est le mal de notre temps. Oui. Tout vite. Ouais. Erwan. Moi, si je peux me permettre, j'ai un petit conseil. Il y a un truc qui marche vachement bien. Oui. C'est de se filer un rencard, un soir, dans un bel hôtel, se retrouver, organiser quelque chose, sacraliser ce moment. Et le fait de le faire, ça va recréer une connexion. On va pouvoir prendre son temps. Et on va consacrer un moment juste à ça. Ça a bien marché. Oui, ça nous met en condition. Ça a bien marché. Donc c'est vrai. Moi, je trouve ça super, Erwan, sauf que ça demande en effet des moyens que tout le monde n'a pas. Oui. Ça demande du temps et des moyens. Donc voilà. Et donc c'est quelque chose que l'on peut effectivement essayer de créer. À la proportion et en fréquence que l'on peut, en fonction du temps que l'on a et aussi des moyens que l'on a, effectivement, Daphné. Et après, j'ai aussi envie d'insister, moi, sur le fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose au quotidien. Donc, je parlais du baiser, c'est pas pour rien, c'est parce que rien que s'embrasser en pleine conscience, ça, s'embrasser 5 minutes tous les jours... C'est possible. Il se passe plein de choses pendant un baiser, en plus, oui. Même dans le corps. Et vous qui êtes chef d'orchestre, vous le savez qu'il faut jouer une partition. Oui, c'est pas faux. Il faut jouer le rythme. Faut un peu plaisir, c'est tout. Quelquefois, on est un peu rapide et puis on reprend le temps et clac, on surprend. Exactement. Vous ne pourriez pas jouer une partition avec votre partenaire et votre baguette? Oh là là, ça part complètement. Mais c'est vrai que, Erwan, effectivement. Excusez-moi, vous voyez que je ne suis pas sexologue ni psy, moi, quand je parle. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Mais c'est vrai qu'à l'époque, on se prenait des rendez-vous dans des hôtels et on marquait le moment, on prenait une heure ou deux. Ça suffit en général. Juste pour vous. Voilà. Et ça se passait plutôt bien. Mais c'est vrai qu'avec les enfants, ils grandissent, donc c'est pas évident. Et puis même le fait de transmettre des bons gestes aux enfants, leur montrer de l'amour, l'affection, la tendresse, ça c'est important. C'est ce qu'on disait, quelquefois en tant que parent, on peut être comblé et totalement oublier son couple. Caroline Veil, vous voulez ajouter quelque chose? Ne pas oublier la communication en continu. Parce que pour que quelque chose ait lieu le soir, il faut qu'il se passe quelque chose pendant la journée. Et que des tout petits mots, surtout si vous vous voyez peu, et que des tout petits mots, mais sympathiques, chauds, qui font qu'on sent que l'autre est là, présent, quoi qu'il arrive, ça fait du bien. C'est vrai. Bon, vous nous tenez au courant. En tout cas, merci pour vos conseils. Merci pour la venue sur le plateau de cette émission. Ravie de vous accueillir. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des questions.